Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ChatGPT pour faire des ventes et recevoir des messages de commission d'affiliation comme celui que vous voyez là. Toi, si toi tu es sur Internet et que tu n'as jamais fait de vente, tu n'as jamais reçu un message de commission d'affiliation, cette vidéo est faite pour toi. Mon nom, c'est Ludovic. Et sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de l'intelligence artificielle et du marketing digital. Donc, si ce sont des sujets qui te passionnent, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors, le site que nous allons utiliser en plus de ChatGPT s'appelle Quora. Quora, c'est un site que les gens viennent poser des questions, les gens posent des questions et d'autres viennent aussi pour leur apporter de réponses. Alors donc, nous allons voir que seulement avec ce site, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors nous allons comprendre que lorsque tu viens sur le site, tu as aussi la possibilité de poser la question et tu as aussi la possibilité de donner les apports de solutions, de répondre aux questions. Et là où c'est très puissant. Alors, et c'est en répondant aux questions que tu peux insérer ton lien d'affiliation. Mais attention, on ne met pas les liens n'importe comment. Nous allons voir, nous allons apprendre les méthodes pour apprendre, pour mettre les liens d'affiliation. Donc, si tu veux répondre par exemple aux questions, tu vas appuyer sur le crayon là, et là tu viens sur ici. Là, si tu veux répondre à une question, les questions sont généralement posées en une ou deux phrases. Donc, si tu cliques là, par exemple, ici, tu vas pouvoir aussi revenir sur les centres d'intérêt, du moins, l'espace qui t'intéresse, et là tu peux cliquer, s'abonner et aller visiter les sujets, en fait les sujets qui te passionnent. Et là tu veux, si tu veux comprendre encore la puissance de Quora, je peux te rassurer que nous allons apprendre et faire tout ça dans un instant. Et ici, par exemple, vous voyez ici comment faire pour gagner 300 euros par jour. C'est une question que quelqu'un a posée. Et là, on peut venir pour répondre. Mais non seulement ça, on peut, en répondant aux questions, tu peux, c'est une manière aussi de se faire référencer par Google. Par exemple, si je viens ici, par exemple, et que je tape, je tape comment gagner sa première commission d'affiliation, vous allez voir que ici, par exemple, je tombe sur Quora. Comment gagner sa première commission d'affiliation? Je suis sur Google, je fais une recherche, je vois que Quora a aussi la possibilité et d'envoyer les réponses que les gens mettent sur le site, d'envoyer ces réponses-là sur Google. Vous voyez? Donc, tu peux être sur Quora en train de répondre aux questions et être aussi référencé par Google. C'est ce que ça signifie. Et là, si je clique sur ce lien, par exemple, ça nous ramène sur Quora. Et là, ici, si nous fouillons un peu les réponses que les gens ont apportées, et vous voyez ici, celui-ci, il a écrit je vous propose de gagner des commissions en utilisant des programmes d'affiliation que vous trouverez dans mon profil. Vous voyez, donc, lui, il a en fait envoyé le visiteur sur son profil. Ça, c'est la première manière de gagner de commission. Parce que vous devez comprendre que Quora ne permet pas de mettre les liens
les liens directement dans les réponses. Oui, on peut le mettre, mais attention, il faut avoir la méthode pour pouvoir mettre, sinon c'est la meilleure manière de te faire bannir du site. Vous voyez, et lorsque la personne il l'envoie et après avoir envoyé le visiteur sur son profil, il a expliqué comment on peut gagner sa commission, sa première commission d'affiliation sur Internet. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous pouvons, c'est une manière, c'est l'une des manières de gagner de l'argent. Et ici, lorsque nous cliquons, par exemple, ici, sur le profil, nous verrons que, évidemment, il a mis le lien, il a mis certains liens, le lien de la formation, le lien de la plateforme qu'il est en train de conseiller. Il a mis sa photo et tout ça, nous pouvons le faire. Et nous allons faire tout ça dans cette vidéo. Nous allons ensemble créer le site, en tout cas créer un compte et aussi remplir tout ça. Et lorsque je reviens ici sur, par exemple, sur une autre réponse, vous verrez que ici, contrairement à la première personne, celui-ci a mis, vous voyez, donc il a mis un lien dans sa réponse. Donc, et comment il a mis ce lien? Il a une manière de mettre le lien sans se faire remarquer. C'est ce que lui a mis. Donc, il est en train de juste conseiller une plateforme d'affiliation. Donc, il suffit seulement de se faire inscrire de se faire inscrire sur une plateforme d'affiliation. Et c'est de là qu'il a mis son lien sur plateforme d'affiliation. Vous voyez, sans seulement se faire remarquer. Et lorsque on clique sur ce lien, par exemple, ça ramène sur System.io. Et là, si quelqu'un, dans le temps, achète une formation, et il touche la commission. Ici aussi, en bas, il a mis aussi le lien d'une formation. Il a mis aussi le lien d'une formation que nous pouvons, le visiteur aussi peut acheter. Voilà, donc c'est la deuxième façon de mettre les liens sur Quora pour ne pas se faire bannir du site. Alors, comment on peut créer son site Quora gratuitement? Tout est gratuit et c'est facile aussi à créer. Lorsque vous venez sur Google, vous tapez Quora et vous allez voir Quora.fr et vous allez cliquer sur le lien, sur le premier lien, et directement vous allez tomber sur ici. Et là, vous allez vous renseigner vos coordonnées. Vous pouvez créer le compte par Google, par votre compte Google ou par Facebook. Lorsque je clique sur accepter par Google, par exemple, directement ça va créer mon compte. Évidemment, si j'ai déjà renseigné mes informations sur Google, directement, je n'ai plus besoin de renseigner encore à nouveau. À ce niveau, je vais choisir les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, il est conseillé vraiment de les choisir au début de la création du site, de son compte. Si vous êtes sur le sport, la santé, vous devez cocher, choisir tous les centres d'intérêt qui sont dans ce domaine-là. Par exemple, je vais créer ce compte en fait sur la santé et bien-être. Et là, je peux cocher par exemple ici, ce que vous voyez là. Voilà, donc je peux cocher football par exemple, c'est sommeil, psychologie, cerveau et sciences, alimentation, oui, exercice, faire des exercices, tout ça. Bon, je peux
coacher sport, même pas trop, et football, même pas trop, mais je peux laisser ça. Je peux coacher aussi sport si je veux. Alors, vous devez faire l'effort de coacher tout, de visiter toute la liste. En fait, de visiter tous les centres d'intérêt et de les coacher au début. C'est vrai qu'on peut coacher après, mais il est vraiment conseillé de coacher tout au début. Et là, je viens ici. Et là, si je comprends anglais, je peux laisser ça cocher. Au contraire, je vais tout décocher et je vais cliquer sur terminer. Et là, mon compte est créé. Directement, c'est que je suis en train de créer comme ça mon compte sur Quora. Et une fois que le compte est créé, c'est fini. Et le reste, c'est de chercher à professionnaliser. À remplir son profil. Vous devez remplir votre profil correctement, conformément au ce que, bon, en tout cas, aux informations, selon vos informations, et aussi, surtout, si vous n'êtes pas ici, par exemple, je peux remplir mon profil selon le service que je veux rendre. Ou selon si je veux faire affiliation, je veux promouvoir par exemple une formation, un produit, je peux par exemple supposer que je suis un membre de cette formation, de ce produit, en tout cas, je suis l'équipe de telle formation par exemple, c'est juste pour l'amener aux visiteurs que je comprends en fait ce que je suis en train de leur conseiller. Dans ce cas, par exemple, je vais mettre un nom, je vais mettre mon nom. Je mets par exemple Ludo Romaric. Alors, je vous rappelle que Quora permet de changer son nom 10 fois. 10 fois seulement et c'est fini. Vous ne pouvez plus changer. Si vous changez 10 fois, c'est fini. Vous ne pouvez plus rechanger encore 11e fois. Ici, qualification ajoutée, qualification de profil. En fait, c'est contrairement, conformément à ce que je vais faire par exemple sur ce compte, je vais parler de santé et bien-être. Donc, je peux écrire voilà, nutritionnaliste et je mets ceci et je vais sauvegarder. Et lorsque je sauvegarde, par exemple, ici, je vais chercher aussi à remplir, ajouter une qualification professionnelle. Voilà, donc, il va s'agir de quelle école j'ai fréquenté, où j'ai fait l'étude, tout ça. Vous devez prendre le temps de remplir. Si vous n'avez pas une formation dans le domaine, vraiment, je vous conseille de remplir, de mettre en tout cas une information, des informations selon le produit que vous voulez vendre. Ça permet vraiment la crédibilité de ce que ce que vous faites. Et ça montre vraiment que vous avez compris, vous avez testé. Évidemment, avant de conseiller un produit, il faut le tester. Donc, il faut vraiment aussi montrer que vous comprenez ce que vous voulez faire ou bien ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Alors, permettez-moi de remplir comme ça rapidement pour vite évoluer. Et ici, il s'agit d'ajouter une situation géographique. Alors, donc, tout ça, je peux le remplir. Et c'est fini. Lorsque je finis comme ça, je peux aussi ajouter une photo de profil. Vous pouvez toutefois aussi ajouter votre photo ou bien un logo si le compte est un compte professionnel, un compte d'équipe, un compte de société par exemple, d'une entreprise. Vous pouvez mettre votre logo. Ici, vous pouvez aller sur le site lesica.ar pour choisir un avatar. Une image générée par l'IA. Ici, c'est des images
générée par l'IA, vous pouvez choisir une image ici si vous ne voulez pas envoyer votre propre photo. Là, je télécharge et je vais maintenant cliquer ici afin d'aller dans mes documents et je vais choisir maintenant l'image que je viens de télécharger. Et vous verrez que dans quelques instants, ça va apparaître. Voilà, donc c'est bon. Et vous voyez, abonné 0, 0 qui suit. Et ici, si ça se fonctionne un peu comme une page Facebook, les gens peuvent venir, en tout cas venir s'abonner à votre profil, à votre compte et aussi vous suivre. Et donc, c'est comme ça que ça construit. Ici, c'est ici qu'on peut mettre les liens des produits qu'on veut conseiller. Et ici, par exemple, j'ai déjà sélectionné quelques liens des produits que je veux promouvoir. J'ai déjà mis quelques liens ici. C'est ces liens-là que je vais copier. Je copie d'abord le nom. Et après, je vais coller ici. Maintenant, pour ajouter le lien, je vais reprendre encore un peu rapidement. Alors, pour ajouter le lien, ça se passe un peu comme System.io ou beaucoup d'autres plateformes. Vous allez copier le lien comme ça et vous allez copier le lien et ici vous allez sélectionner là où vous voulez mettre le lien et vous cliquez sur l'icône lien là, vous allez ajouter. Vous allez ajouter. En bas aussi, je vais aussi mettre un second lien. Je vais mettre un second lien. Alors, il est important de comprendre et de mettre vraiment au début quelques liens. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout, mais quelques liens des produits qu'on veut vendre, soit votre propre produit ou des produits à promouvoir en affiliation. Et vous mettez ça ici au début. Et vous comprenez maintenant l'idée de remplir son profil en fonction de ce qu'on veut promouvoir, en fonction de ce qu'on veut vendre. Et donc, c'est l'idée de bien chercher à remplir son profil. Si vous voulez vraiment vendre sur Quora. Évidemment, je vais encore aller sur mon profil et coller ceci. Et après, je vais aussi chercher à mettre le lien de ce produit. C'est un produit toujours sur la santé. Alors, je vais mettre aussi ce lien ici. Voilà, donc je vais ajouter. On peut toutefois aussi ajouter une image et tout et tout. Même une vidéo, on peut mettre. Alors donc, je vais ajouter si c'est bien fait. Et après, c'est fini. Si je reviens sur accueil, par exemple, vous allez voir que mon profil, voilà donc, c'est affiché là. Et ici aussi, vous voyez. C'est comme ça qu'on peut remplir son profil. Là, je peux maintenant répondre aux questions et après envoyer les gens sont sur mon profil. Je me connecte ici sur l'un de mes comptes que j'ai créé il y a quelques instants et afin de répondre à une question. Alors, pour répondre à une question, évidemment, ce compte est un autre compte qui traite sur comment gagner de l'argent sur Internet. Mais il faut vraiment aussi tenir compte de
avant de répondre aux questions de combien qui suivent la question. Par exemple, ici, il y a 38 personnes qui suivent. En tout cas, cette question. Il ne faut pas choisir une question dont environ une ou deux. C'est environ une ou deux personnes qui suivent. Là, ce n'est pas, ça ne marche pas. Il faut chercher. Puisque lorsque j'envoie, je réponds maintenant à cette question, là, ça va. C'est 38 personnes qui seront notifiées en même temps. Là, il serait mieux de chercher à répondre aux questions. Donc, il y a au moins, en tout cas, une vingtaine qui suivent cette question. Là, je clique sur la question et je vais revenir maintenant ici. Et lorsque je copie la question, je reviens sur le prompt que j'ai créé pour pouvoir donner une réponse à cette question. Ce prompt, je vais l'envoyer maintenant à ChatGPT. On va chercher un peu à lire, ce prompt. Bonjour ChatGPT, depuis un moment. Bonjour ChatGPT, je t'ai identifié depuis un bon moment en tant qu'un outil programmé pour répondre aux diverses questions de la vie ou pour jouer plusieurs rôles humains. Pour cela, tu vas te baser sur tes rôles, tes qualités, d'un expert en entrepreneuriat et en business en ligne en général pour répondre à une question. Voici la question. Et là, je mets la question. Cependant, tu dois répondre à ma place en tenant compte de l'utilisation de la plateforme d'affiliation System.io. Donc, la question était, quelle est la meilleure plateforme pour gagner de l'argent sur elle? Pour gagner de l'argent en ligne. Voilà. Si vous ne cherchez pas un bon prompt, là, vous n'aurez pas un bon résultat. C'est pourquoi je vous conseille aussi GPT Script. GPT Script, c'est un logiciel qui vous permettra de générer les prompts correctement. En un clic, il suffit seulement de saisir, de choisir votre objectif, en tout cas ce que vous voulez faire à ce prompt, ce que vous voulez faire à ce logiciel, vous allez choisir juste l'objectif de votre prompt. Et là, ce logiciel génère le prompt pour vous. Vous allez envoyer à ChatGPT pour avoir une réponse assez correcte. Sinon, la réponse sera robotique et tout le monde sera que c'est avec ChatGPT que vous avez trouvé la réponse. Et ce qui est bon avec ce logiciel, lorsque vous créez le compte, vous avez encore 27 formations comme bonus. Le promoteur de ce logiciel a offert 27 formations dans plusieurs domaines sur, en tout cas, du business et de beaucoup de choses. 27 formations. En plus, le logiciel qui va vous générer en un clic vos prompts. Vous voyez, donc c'est nécessaire de prendre ce prompt, ce logiciel. Le logiciel, en fait, coûte 27 €. Et si vous créez le compte, vous avez l'accès à le logiciel pour générer les prompts gratuitement. Et encore, vous avez encore 27 formations. Vous comprenez combien de fois c'est intéressant. Alors, j'ai quand même pioché un élément de ce logiciel pour pouvoir faire ce prompt. Et si vous voulez utiliser ce prompt pour Quora, c'est bon aussi de l'adapter et de vraiment tenir compte de ce que je suis en train de souligner au rouge là. Et vous pouvez changer ce que je souligne au rouge selon les questions et selon vos thématiques, évidemment. Si vous êtes dans la santé, par exemple, vous allez changer l'entrepreneuriat et des business en ligne. Vous allez changer ça. Et la question aussi sera changée. Alors, la dernière chose que je vais vraiment vous notifier, il faut
Voyez, mais cependant, tu dois répondre à ma place en tournant comme deux. En tournant comme deux là, ça c'est pour que je suis en train de diriger ChatGPT à me parler uniquement de système IO. Sinon, ChatGPT va me parler d'un logiciel que je ne connais pas ou bien un logiciel qui existe uniquement sur le marché américain ou sur le marché chinois. Voyez? Donc, il est important, si vous voulez adapter ce prompt, faire la pause de la vidéo et vraiment tenir compte de tous les aspects de ce prompt. Si vous voulez, par exemple, conseiller autre formation, autre chose, vous pouvez tout notifier en bas ici. Vous pouvez tout écrire en bas ici. En tout cas, au niveau du dernier point, si vous voulez encore parler d'une formation, parler d'autres choses, vous allez tout dénumérer en bas ici. Et là, vous allez maintenant envoyer ça à ChatGPT. Et lorsque je vais corriger, mettre un deux points d'abord ici. Lorsque vous envoyez à ChatGPT, là, vous êtes sûr maintenant que ChatGPT peut vous générer une réponse vraiment assez satisfaisante. Vous voyez, donc, il est en train de me générer des réponses face à la question « Quelle est la meilleure plateforme à utiliser pour les business sur Internet ?» Évidemment, je lui ai parlé de ChatGPT, excusez-moi, autant pour moi, j'ai parlé de système IO. Donc, ChatGPT serait en train de me parler de système IO. Et uniquement du système IO. Vous comprenez, parce que je vais parler du système IO parce que je sais que je vais insérer mon lien d'affiliation du système IO, je vais insérer dans cette réponse. Sinon, il serait inutile de donner une réponse ne me servira rien. Faut pas répondre à une question que tu ne peux rien apporter, que tu ne peux rien promouvoir. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Il faut forcément chercher à répondre à une question que tu peux vraiment aussi mettre à cœur par un lien ou de dire à la personne que tu as en tout cas une solution à voir sur ton profil. Je vais copier maintenant ce test. Et lorsque je copie le test, par exemple, je vais revenir sur Quora. Et avant, je peux d'abord copier le test là ici. Je peux d'abord coller le test ici et modifier avant d'aller sur Quora. Et maintenant, je vais pouvoir maintenant répondre à la question. Là, si j'appuie sur réponse, ça m'envoie ici. Et là, je vais maintenant copier le test que j'ai mis ici. Évidemment, il faut à chaque fois aussi modifier, enlever certaines phrases et aussi ajouter certaines phrases pour que ça ne soit pas uniquement à la charge du robot. Et vous avez constaté qu'il y a certains liens, surtout au niveau du système IO, tout ce que vous voyez en bleu là, c'est un des liens que Quora a généré. Mais il faut enlever tous ces liens parce que si vous n'enlevez pas, même si vous le laissez comme ça, ça ne vous servira à rien. Si quelqu'un clique sur le lien, ce n'est pas votre lien affiliation. Donc, il faut être sûr d'enlever d'abord et après, vous allez mettre maintenant votre lien d'affiliation. Voilà, donc, c'est mon lien d'affiliation. Système IO ici, je vais copier ce lien et c'est maintenant que je peux aller sur Quora pour mettre ce lien ici. Alors, je dis que j'ai pour mettre ce lien, il faut
Voilà, fais comme ça, cliquez là et là, ajouter. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Tu peux mettre une ou deux fois de cette façon. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas se faire remarquer et se faire bloquer par l'algorithme de Quora. Je mets deux fois seulement et c'est fini. Si je ne mets pas de façon méthodique dans la phrase que je suis en train de décrire, dans la réponse que je suis en train de décrire, là, je peux mettre ce lien-là dans mon profil. Dans mon profil, je peux mettre le lien de système IO. Et là, je vais écrire quelque part là que le lien pour s'inscrire sur système IO se trouve dans mon profil. Et là, tous ceux qui sont sur Quora savent que c'est. En tout cas, tous ceux qui sont sur Quora savent du moins que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vais maintenant publier et c'est fini. C'est que la réponse que j'ai écrite est publiée. Voilà, donc c'est comme ça que nous pouvons répondre aux questions et pouvoir gagner des commissions d'affiliation avec Quora. Si vous voulez répondre, vous voulez poser, en tout cas, vous voulez poser des questions aussi, vous allez juste appuyer sur ajouter question qui est en rouge en haut à droite de l'autre côté. Vous allez cliquer sur là, justement, vous allez pouvoir poser la question. Voilà, donc c'est comme ça que nous pouvons faire pour mettre le paquet. Je vous conseille vraiment de faire régulièrement au moins 5 fois par jour. Si vous répondez au moins 5 questions par jour, c'est pas encore trop. Mais je vous conseille aussi de ne pas exagérer. Si vous allez au-delà de 5, ce n'est pas bien. Dans les 5, vous pouvez mettre une fois le lien dans le test là, une fois seulement dans la semaine. Et tous les 4 autres réponses là, vous pouvez envoyer les gens dans votre profil. Il n'est pas vraiment conseillé de mettre beaucoup de mettre de liens dans le test parce que c'est la meilleure manière de se faire virer, de se faire bannir du Quora. Alors donc, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donne-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Et on se dit à bientôt. Bye.